L'installation que j'ai créée, enfin qu'il n'y avait rien à l'époque dessus. Donc ici il y avait une haie de mirabolange, donc je l'ai enlevée. Et à la place j'ai créé donc ce poste de chasse. Voilà. Donc les arbres ils sont plantés pas au hasard, ils sont plantés dans le sens du vent. Et à l'intérieur, vous voyez là les aubépines, ça fait comme un genre d'enclos pour mettre disons l'équine, parce que l'équine c'est un oiseau grégaire, donc il aime bien la compagnie des autres. Donc ils sont à l'intérieur et ils chantent dans cet enclos. Par contre les chachas, eux, ils sont montés sur des poteaux, ils sont montés sur des cages, je mets une surcage pour les rapaces, parce qu'il y a aussi beaucoup de rapaces. Et voilà, donc comme le chacha chasse à vue, donc dès qu'il voit ses congénères, ben, il attire ses congénères pour qu'ils viennent se poser sur ces arbres. Voilà. Donc ce sont des arbres que je taille pratiquement toute l'année pour venir à cette taille-là d'arbres, disons, un petit peu squelettiques, pour voir, disons, le minimum de fausses poses. Voilà. Les cimaux, donc, ce sont, bon, je récupère des perches de pin. Que je récupère d'un futé et que j'habille disons les têtes pour disons cacher un petit peu disons le dispositif du maintien du porte-baguette. Voilà, donc ça se marie dans le feuillage des arbres et ça fonctionne très bien.